Cela a dû vous faire un choc, n'est-ce pas? Comment s'est passée cette mission dirigée par Dana, avec le réseau de résistance de Léon? Elle a mal tourné, Miss Walker. En fait, c'est pour cela que j'ai quitté Londres pour venir ici. Oh, oui, un petit instant, Miss Walker. Où l'ai-je donc mis? Avec cette fichue tempête, on en parle dans tous les journaux. Ah, voyez-vous-même. Tempête. Les travaux d'excavation au col du diable, interrompus. La tempête a contraint le Conseil à demander le transfert des dépouilles piégées dans la glace depuis la Seconde Guerre mondiale, pour les mettre à l'abri au refuge de Silberspiegel. Ces corps gelés près du refuge, j'en ai entendu parler hier. Pensez-vous que... Aucune identification formelle n'a encore eu lieu, Miss Walker. Mais il serait plausible que... Qu'au moins Léon fasse partie des personnes retrouvées. Oui. Qu'est-il arrivé à Léon? D'après les témoignages que j'ai obtenus, Léon a été tué au cours de cette mission que le Foreign Office avait confié à Dana. Une avalanche, apparemment. Je fais partie des rares personnes encore en vie capables de l'identifier, d'où ma présence ici. S'il n'y avait pas eu cette maudite tempête, cela aurait dû être fait aujourd'hui. Pensez-vous que Dana puisse se trouver parmi ces corps? Ce serait logique, j'imagine. Cela pourrait expliquer pourquoi je n'ai plus jamais entendu parler d'elle après cette mission. Cependant, d'après certains témoins, Dana aurait survécu à la guerre et aurait apporté son aide aux résistants de Wagen jusqu'à la libération. Mais si ces témoignages disent vrai, alors Dana s'est volatilisée après la guerre. Qu'en est-il des autres corps ? D'après l'Institut médico-légal, au total, 3 cadavres ont pu être extraits de la glace. Un que l'on pense être Léon, et puis 2 autres, ceux d'un homme et d'une femme encore non identifiés. Je vois. Essayez de rester positive, Miss Walker. Seule une identification visuelle nous permettra d'être fixés.
Nous pourrons y aller dès que cette tempête se sera calmée. Demain ou après-demain, probablement. D'accord. Miss Walker, nous sommes arrivés. Vous ne venez pas, c'est bien ça? Eh bien, Miss Walker, vous n'avez peut-être aucun lien avec Dana, mais vous me la rappelez furieusement. Je sais, Oscar, je sais. Mais je dois en avoir le cœur net. Parce que si l'un de ces corps s'avère être celui de Dana, je... n'aurai plus aucun train à attraper. Il semble tenir le coup, en dépit de la tempête. Je ne pense pas qu'il fasse assez froid pour que l'essence gèle, mais il vaudrait peut-être mieux stocker ça à l'intérieur. Lenny a quitté sa vigie. Rien d'étonnant avec un tel visage.
Je n'arriverai pas à obtenir une photo correcte par ce temps. Voilà donc l'endroit où s'est produite l'avalanche qui a enseveli Léon pendant la guerre. Probablement durant l'opération dont m'a parlé Yunta, celle que Dana était censée superviser. Je dois découvrir ce qui lui est arrivé. C'est là que les corps ont été retrouvés. Je n'arriverai pas à obtenir une photo correcte par ce temps. Personne ? Il n'est pas si tard que ça. J'aurais pensé que Mademoiselle Lénis serait encore debout. Il me semble que les personnes âgées se couchent tôt, non ? Trop petite pour une porte. Regardez, Oscar, un cousin éloigné. Où voulez-vous en venir, Catwalker ? Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a d'amusant. Un autre de ses cigares. Une photo de Léon à bord d'un navire. Elle a dû être prise durant son retour du Baltayar. Mais je n'arrive toujours pas à comprendre comment il a pu survivre là-bas en plein hiver. Lénie avait la même coupure de presse. On dirait qu'elle a bâti un véritable hôtel en l'honneur de Léon. Mademoiselle Lénie a pris le thé avec quelqu'un. Peut-être avec cet alpiniste ? Il se passe quelque chose de très bizarre avec Mademoiselle Lénie. Je devrais vraiment aller discuter un peu avec elle. Mais d'abord, les corps. Il n'y a qu'eux qui comptent pour l'instant. J'espérais trouver Mademoiselle Lénie ici. Lénie a quitté sa vigie. Rien d'étonnant avec un tel blizzard. Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Ça, c'est les corps ramenés du col du diable. L'équipe médico-légale les a mis là, à cause du blizzard. Et leur générateur s'était éteint, ce qui pourrait bien détériorer les corps. Où est Mademoiselle Lénie ? Oh, dans sa chambre, elle se repose. Elle a fait un malaise après que l'équipe soit retournée à Wagen. Oh mon Dieu, que s'est-il passé ? Je crois bien que ça a un rapport avec les corps. Enfin, passez tout le temps à regarder par là. Mais quand je te dis tout le temps, hein. Puis quand ils les ont descendus du col, m'aurait dit un peu comme si elle avait vu un fantôme. Un peu comme qui dirait...
comme si elle connaissait les défunts. Wani ! Y a-t-il quelqu'un qui prend soin d'elle ? Ah oui, vous n'en faites pas pour ça. Elle est avec cette ermite qui lui apporte du bois et des provisions de temps en temps. Ok, bon, rentrez, vous réchauffez. Je vais m'occuper du générateur. Ça va l'aider ! Pas de problème, allez-y, allez-y ! Je dois voir quelque chose dans cette tente, de toute façon. C'est verrouillé, évidemment. Des biscuits secs. Je me demande depuis combien de temps ils sont là. Elle doit servir à lancer le générateur. Oh, rien. Une idée, Oscar ? Ce bouton a dû allumer le générateur, Kate Walker. Mais il vous reste encore à utiliser le démarreur. Ok ! Merci, Oscar ! Le réservoir est vide. Je dois trouver de l'essence pour pouvoir allumer le générateur. N'avons-nous pas croisé un jerrycan tout à l'heure ? Nous devrions y jeter un coup d'œil. Oui ! Merci, Oscar ! Les sauveteurs ont dû partir précipitamment après avoir rassemblé les corps ici. Et ils ont dû se faire surprendre par le blizzard. Institut médico-légal de Wagen.
Ce n'est pas Dana qui se trouve dans ce sac. Une femme blonde non identifiée ayant la quarantaine. Il ne peut pas s'agir de Dana. Léon, c'est comme s'il était mort hier. Comme dans ces histoires à propos de personnes emportées par des avalanches et retrouvées parfaitement conservées dans la glace plusieurs décennies plus tard. Difficile de croire qu'il soit mort depuis plus de 60 ans. C'est impressionnant. Et sinistre à la fois. C'est bon, Oscar. Le corps de Dana ne fait pas partie de se retrouver avec celui de Léon. Quel soulagement. Ce point étant éclairci, Kate Walker, peut-être devrions-nous nous abriter dans un lieu plus résilient. C'est juste. Allons voir Mademoiselle Lenny au refuge. J'ai beaucoup de nouvelles questions à lui poser. Bon travail avec ce générateur. Ils ont dû porter Mademoiselle Lenny dans sa chambre après son malaise. J'ai l'impression que l'on peut changer sa forme. Ils ont dû porter Mademoiselle Lenny dans sa chambre après son malaise.